Julia, je t'ai posé une question. Oh, tu posais le ton si tu veux, mais là, je vais pas avoir le temps de te répondre. Mais attends, tu veux quoi, là? Rien. Je dois juste y aller. T'es conscient de ce que t'es en train de faire? Ouais, parfaitement. Et tes affaires? T'en fais quoi? Je m'en fous. Tu sais qu'il me trompe. C'est ce que tu m'as dit la semaine dernière. Et toi, tu restes là pour te faire du mal, c'est ça? Pas du tout. Ça m'amuse de le voir s'enfoncer jour après jour dans ses mensonges. T'as de la peine pour lui? Non mais je t'ai pas appelé pour que tu trouves des circonstances atténuantes qui lui donnent le droit de foutre en l'air sa vie de famille. Si on le voit ici, ils vont me virer. Ça va, je fume ma clope. Il a écrit quoi, là? Ah, t'es comme ça, toi. C'est pour toi que je dis ça. Non, je crois pas. Tu dis ça parce que t'as peur. Mais t'as pas le droit de partir comme ça. J'ai aucune obligation. On a séparé. Non, attends. Je te demande de m'expliquer ce qui se passe. Pourquoi tu veux partir? Quoi, tu vas m'enfermer dans cette pièce, c'est ça? Mais arrête-toi, enfin, je sais pas, ou bien moi je vais te... Ou bien quoi? Finis ta phrase, ou bien quoi? Hein? Tu vas me frapper, c'est ça? On est à New York. T'as déjà vu tes enfants courir dans ton jardin? Ton mari tond de la pelouse en mangeant un hot dog? Y a pas de vie de famille à New York, c'est de la survie. Tout le monde court après tout le monde sans jamais pouvoir se rattraper. Regarde autour de toi, t'as l'impression que ces gens sont heureux? C'est moche de mentir, non? J'en suis même arrivé à mentir à une pute. Ouais. L'important, s'il y a bien une personne à qui tu peux dire la vérité, c'est bien une pute. Tu la payes et te fais un joli sourire en partant. Fais ta belle. Tout le monde ici est au chômage. Alors estime-toi heureuse d'avoir un boulot. Tiens, prends-en une. On dit que t'as battu, mais toi t'es déjà morte. Respire un grand coup et calme-toi maintenant. Non, laisse-moi passer. Non, je te laisserai pas passer tant que tu m'expliqueras pas ce qui se passe. J'ai loué jusqu'à jeudi, moi. Je me fais chier avec toi. Ça te va comme réponse? Très bien. Je me suis aperçue que j'attirais que les alcooliques ou les dépressifs. Et grâce à ma thérapie, je comprends mieux pourquoi. Et ça, c'est un pas de plus vers ma liberté. Tu veux me démolir, c'est ça? Non, il y a des trucs bien quand même. Tu vois, la gare n'est pas loin, je pourrais y aller à pied. Arrête-toi. Ou sinon quoi? Tu me connais pas aujourd'hui? C'est l'air de la mer qui te fait cet effet-là? Ça a du bon les embruns, on dirait. Hein. Ça te calme. Désolée. Ça doit être lourd, la vieille copine dépressive. C'est un peu cliché, tout ça. Non, mais soigne-toi, Rachel. Soigne-toi. T'as plus rien à dire? Bah, j'y vais, moi. Tiens.